Bonjour, merci, merci de votre fidélité. Nous sommes en direct de Kinshasa pour cette émission relativement spéciale parce que l'actualité aujourd'hui, très dominée par d'abord la CENI, les élections des gouverneurs des provinces pour des provinces qui ont eu des problèmes, notamment des destitutions des gouverneurs. Ensuite, l'actualité de l'UDPS, parti du gouvernement, et celui de Félix Tshisekedi, du président de la République, mais également ici à Kinshasa, en ébullition avec la baisse des produits de consommation qui ne semble pas avoir lieu, mais aussi au Kasaï, parce que l'invité du jour est aussi d'origine kasaïenne, pour voir que Tshilekelo pose encore problème là-bas parce qu'il n'y a pas d'eau, d'électricité et l'eau au Kasaï, cette eau que les gens de Tshikapa boivent est rouge et surtout empoisonné avec des produits qui viennent de l'Angola. Vous l'avez bien deviné, l'invité du jour, c'est le conseiller du président de la République, Peter Kazadi. Bienvenue. Merci. Je suis député provincial. Oui, vous êtes avocat d'abord, cadre des UDPS, député de Kinshasa, mais vous êtes aussi conseiller du président Tshisekedi, officieusement. Collaborateur du président Félix Tshisekedi, Vous êtes son proche. anciennement président de l'UDPS. Oui, anciennement président de l'UDPS, mais il garde quand même le lien avec ce parti. Alors, moi, je vous fais venir parce que l'actualité est très dominée. Par d'abord l'actualité qui vous concerne, vous, Peter Kazadi. On dit de vous, aujourd'hui, des nouveaux riches qui tournent autour du président Tshisekedi, qui ne l'aidaient pas beaucoup. On a parlé de vous, que vous touchez 600 000 dollars par mois au Lualaba, des carrés miniers. Vous avez critiqué hier la gabegie des Mobutistes, la gabegie des Kabylistes. Aujourd'hui, vous êtes plein dedans. Merci beaucoup Jean-Marie. Vous voyez, votre question me fait sourire. C'est vrai, c'est ce qui est répandu. Il y a une nouvelle bourgeoisie qui s'est installée au pouvoir, que non. L'IDPS, nous ne cesserons de les rappeler, nous nous sommes battus sur base des valeurs. Et ces valeurs, ce combat pour les valeurs, a vu beaucoup de gens mourir. Plusieurs perdre leur travail, leur bien. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, arrivés au pouvoir, nous ne pouvons pas nous permettre de pérenniser ce que nous avons combattu hier. C'est le cas. Non, ça c'est ce que vous dites. Ceux qui construisent Regardez, des maisons, regardez, les crocos Jean-Marie, Rolex. vous m'avez porté Rolex, c'est rien. C'est rien. Oui, nous en avons porté avant Les l'opposition, Congolais moyens dans touchent combien l'opposition. pour que vous portiez S'il des vous Rolex? plaît, il ne faut pas considérer les membres de l'IDPS comme des vanne-pieds, des gens qui sont venus s'enrichir. Non. Il y en a parmi nous qui ont eu à porter des Rolex, qui ont eu à construire des maisons. Et il y en a aujourd'hui, grâce À au quoi? travail À qu'ils leur ont, salaire? à leur salaire, Et à leurs qui relations. construisent des villas entières? C'est possible. Personne n'est né pour rester statique. Si aujourd'hui, un membre de l'IDPS, puisque vous devez, je l'ai dit, il y en a qui ont perdu leur travail, leur bien, leur carrière. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, il y en a qui peuvent reprendre les affaires. Lorsqu'on est dans les affaires, on peut construire une maison. Moi, en tant que député provincial, quelle est la banque qui peut me refuser un crédit pour que je m'achète une Avec maison? quelle garantie? Votre salaire, d'ailleurs, les députés provinciaux Je vous ne informe. sont pas payés. Je vous Il y en informe. a qui, vos collègues font la grève au ministère des Finances. Laissez-moi vous dire, nous à Kinshasa, nous sommes payés. Et les autres alors? Comme on paye au Lualaba, comme on paye Où ça encore? au Katanga et partout C'est ailleurs. tout? Je C'est vous tout? dis, mais On vous a m'avez 26 posé. provinces, il y en a que 3. Jamais, vous savez que jusque-là, je n'ai pas encore répondu à votre Répondez question. à la question. Répondez à la question, s'il vous Voilà. plaît. Vous dites que je touche 600 000 dollars. Il ne faut pas que ça paraisse comme si j'ai éludé la question. Vous D'abord, les touchez ou pas? mais si j'ai 600 000, j'arrête tout. Je reste chez moi. Hein? Il n'y a que peut-être un sénateur à vie comme Joseph Kabila qui touche 680 000, qui continue Impayé. à lui aussi, lui est impayé, mais moi, on me paye. Vous trouvez ça normal? Dans la tête Où est-ce du qu'on va client. trouver un tel montant pour payer à moi mensuellement, comme on l'a dit?
et que cela soit répercuté même par des intellectuels. Mais c'est répandu partout. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai dit tout simplement que c'est un montage de mauvais goût. Si vous êtes un journaliste, faites vos investigations, vous ne me trouverez pas dans les mines. Ah oui? Ni au Katanga, ni partout ailleurs dans les pays. Vous n'avez jamais été au Lualaba? Oh, le Lualaba, c'est mon pays. Je peux aller partout où je veux. Oui, mais faire quoi? C'est là. Ah bon? Donc, si je dois aller quelque part, je dois venir justifier. Sachez que je suis un homme politique. Je suis un avocat. Je suis un Congolais. Au Katanga, comme la plupart des Kassaïens, nous avons des familles là-bas. Ma famille, mon grand frère a fait toute sa vie là-bas. Il est mort pratiquement comme travailleur des SNCC. Il a eu des enfants. Une bonne partie de ma famille est là au Katanga. Je peux aller, aller visiter la famille comme je peux aller dans mes affaires. Ça ne vous choque pas qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, vous allez peut-être justifier ça ou expliquer ou démentir, qu'on voit dans les entreprises, dans les ministères, chez les gouverneurs, les gens qui se présentent, famille présidentielle, proche du président, alors que le président lui-même avait dit, premier meeting, rassembla sa famille, je vous interdis d'aller faire du trafic d'influence. Les avez vus? Mais c'est ce que des autorités publiques, c'est qu'on dit. Maintenant, non, vous pouvez démentir. Hein? Jean-Marie. Moi, je veux que vous me disiez ce que vous avez vu. Non, moi, je ne relais. Par exemple, les 600 000. Quand vous dites... Je relais ce que la presse dit. Si c'est mais faux, tout ça, ça fait partie du lot des mensonges. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? La politique que l'IDP s'est amenée gêne beaucoup de gens. Lutter contre la corruption. C'est comme vous condamnez les gens qui étaient habitués à se nourrir des mamettes de l'État, à mourir de faim. Et ces gens ne vont pas vous laisser tranquille. La stratégie, c'est de dire quoi? Ah, et ils disent qu'ils luttent contre la corruption, mais eux-mêmes sont des premiers corrompus. C'est ce que nous apprenons. C'est ce qu'on a propagé dans les chancelleries ici. Les gens de l'IDPS sont dans la corruption. Mais apportez-nous la preuve de tous ces corrompus de l'IDPS. Il y en a un que vous avez visité en prison, là, qui s'appelle Eteni. Oui, Eteni. Il y a des présomptions, des détournements sur le docteur Eteni. Je parle bien des présomptions. La justice lui a privé de la liberté. En démocrate, nous acceptons cette situation en attendant de voir comment l'enquête va se dérouler. Donc, nous n'en faisons pas un problème. Vous avez vu les partis faire un communiqué. Pourquoi les deux ministres de l'IDPS, bon, vous allez dire que Ilunga, n'était pas et de l'IDPS Tshibala. Si il faut préciser, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Il y a même quatre IDPS ici. Il y a IDPS Tshibala, IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi et IDPS Peuple de Valentin Moubaki. Alors, quand il y a quelqu'un qui a agi ou qui était pris, il faut les situer par rapport à... Je pose ma question autrement. Les gens d'inspiration IDPS, grande famille IDPS, dans ces morts seulement, mais deux ministres issus de cette grande famille IDPS, de la santé, les deux sont en prison. Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Ça gêne d'abord, bon, ça doit gêner parce que ce sont des humains. En prison pour corruption? Oui. Comme des humains, ça me gêne. Comme des gens avec lesquels nous avons cheminé et qui sont aujourd'hui soupçonnés. Il y en a un qui a été condamné. Et l'autre risque l'autre est soupçonné d'avoir détourné. Ça nous inquiète puisque c'est le contraire des valeurs que nous avons portées. Comme quoi, les leçons que vous donnez hier, aujourd'hui, vos cadres eux-mêmes se comportent autrement. Non, mais vous citez seulement, nous en avons qu'un seul de chez nous qui est soupçonné, qui n'est pas encore condamné. Il est présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire. Il faut attendre quand il sera condamné. Vous pouvez faire cette affirmation. Mais jusque-là, docteur Eteni est présumé, il est innocent, n'est-ce pas? Mais il y a des soupçons qui pèsent sur lui. Et nous laissons à la justice de faire son travail. Peter Kazadi, on a arrêté Kamere, on a arrêté d'autres collaborateurs du président. On ne vous a jamais vu en prison. Ni vous, ni Augustin Kabuya. Comme par hasard, vous êtes parti pour aller secourir Eteni. Nous sommes... Donc, Kamere, c'est rien pour vous. Vous savez, attendez, je vais vous dire une chose. Nous sommes des politiques. Hein?
Aujourd'hui, tout ce que je peux poser comme acte peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Le dossier de Vital Kamerhe a suscité beaucoup de passion. Vous voyez? Nous nous sommes retrouvés, et moi personnellement, je me suis retrouvé dans une situation où tout geste que je pouvais poser autour de ce dossier pouvait être interprété autrement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait garder distance. Ce n'est pas que Kamerhe ne mérite pas notre compassion. Nous compatissons à tout ce qui lui arrive. Je n'ai cessé de le dire. Moi, j'ai voulu tout simplement prendre un peu de distance pour ne pas donner lié à des interprétations dans un sens comme dans l'autre. Étant né, j'ai des relations tout à fait particulières avec lui. Et quand il est tombé, nous sommes allés le voir dans pour faire quoi? Influencer la justice? S'il fallait influencer la justice, on l'aurait fait en amont, n'est-ce pas? Ici, Eteni est arrêté. Il m'a appelé, moi je suis avocat. Je suis allé. En tant qu'avocat ou en tant que député? Président. J'ai dit que je suis député, je suis proche du président, je suis avocat. Ok? Et Eteni est l'un de nous. Je suis allé les visiter, personne ne peut me reprocher ça. Non, on ne reproche pas, mais trouve qu'il y a deux poids de mesure. Non, il n'y a pas de poids de mesure. Je vous ai dit que... Quand c'est Kamerhe, vous ne venez pas. Quand c'est Eteni, vous venez. J'ai dit que... Il y a la passion qui a entouré le dossier Kamerhe. Eteni aussi. On a présenté dans l'opinion que c'était l'IDPS qui combattait Kamerhe. Oui. On a dit aussi que vous avez lâché Eteni parce qu'il commençait à prendre des positions contraires. Et que parce qu'il est de l'Équateur, etc., etc. Finalement. Ben oui, désolé. Ah là là là. Vous savez... Makonga, il a bien accepté de soutenir le président de la République, mais vous ne l'avez jamais dit. Puisqu'il est de l'Équateur, on l'a abandonné. Et vous pouvez me citer un Kassaïen qui s'est retrouvé dans les mêmes positions qu'on a sorti de là. C'est pas l'objet aujourd'hui. Non, je vous pose la question. Vite, Kazali. Non, continuons. Qu'est-ce que vous voulez justifier? Il y a une propension du tribalisme. Selon l'IDPS. Vous voyez ce que vous dites là? Non. D'après même vos propos, quand vous parlez d'un citoyen congolais qui a des démêlés avec la justice et vous ajoutez non, puisqu'il est de l'Équateur, c'est du tribalisme. Et ça, nous savons que c'est conçu dans un laboratoire. Lequel? Dans les laboratoires. Pour vous, il y a toujours des laboratoires. Attendez. Chez vous, vous n'avez pas de laboratoire. Attendez. Quand vous fabriquez quelqu'un qui ressemble à Matata, vous le filmez à l'aéroport, vous dites que c'est Matata. Là, ce n'est pas un laboratoire. Ça, ce n'est pas responsable de votre part. Vous voyez une vidéo dans les réseaux sociaux, la voix d'une dame qui filme, qui dit, voilà, Matata... Et vous dites que ça, c'est l'IDPS qui a fabriqué ça. Je n'ai pas dit, j'ai payé vos laboratoires aussi. Il n'y a pas que les autres que le laboratoire. Hein. Laissez-moi vous dire. Oui. Nous savons qu'il y a des laboratoires qui travaillent pour non pas seulement fragiliser le pouvoir du président Félix Tshisekedi, mais fragiliser l'ensemble de la nation, oubliant qu'elle-même se trouve dans la nation. Puisque quand vous fragilisez la nation, vous-même, vous vous mettez en danger. Les gens pensent créer la haine contre la communauté Louba. Ils oublient que cette communauté Louba fait partie de la nation. Et que si vous développez cette haine, cette tendance, il y a des vidéos qui sont montées de toutes pièces actuellement. De quoi? Où j'ai vu une vidéo dernièrement. Qui dit quoi? Où on présente quelqu'un comme avec une machette. Et le drapeau de l'IDPS. Ah, voilà. Oui. On dit... Regarde, si vous regardez seulement cette vidéo-là, la manière dont la personne accusée est en train d'acquiescer, hein, ça fait voir qu'il s'agit d'un montage. Donc, pour vous, il n'y a que des complots. Mais nous sommes en politique. Mais quand vos militants agressent les autres, là, il n'y a pas de complot. Jean-Marie, nous savons comment les gens opèrent. Et c'est visible. L'objectif, c'est quoi? Former une masse critique importante qui sera dirigé contre la tribu Louba, puisque Félix Tshisekedi est Louba. Il faut préparer l'opinion. Pourquoi vous comme ça? S'il vous plaît, il faut préparer l'opinion à s'attaquer au Louba, au motif que c'était les Louba
qui aurait commencé la violence, on montre des machettes, voilà, ce type est de l'IDPS. Et ils nous ont attaqué, il a donné un coup de machette à la tête de quelqu'un, et les gens se préparent aussi à attaquer les membres de l'IDPS. Donc c'est monté de toutes pièces. Quand vous dites que vous allez distribuer des armes pour attaquer les gens, c'est un montage aussi. Qui a dit ça? Il n'y a pas la vidéo de votre secrétaire général. Il a dit quoi? Que bientôt nous allons distribuer des armes aux gens. Il l'a dit où? Vous avez la vidéo? Dans un meeting, oui. Non. Il n'a jamais dit ça. Il faut situer les contextes. Maintenant, chez vous, il y a des contextes. Non, papa. Il y a un monsieur, secrétaire général d'un parti, Chadar, je le cite, qui dit, nous allons paralyser le pays, nous allons rendre le pays ingouvernable. Ah, c'est vieux ça. Mais c'est à cette occasion-là qu'Augustin avait parlé. Pourquoi vous sortez de ce contexte pour présenter que non, voilà, Augustin va... Non, c'est en réaction à ces propos d'un monsieur, secrétaire général d'un parti politique, qui menace de paralyser les institutions du pays. Et notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, oui, donne droit à tout citoyen de défendre son pays. Avec des armes. Avec tous les moyens à sa disposition. Quand le pays est mis en péril, tous nous sommes mis en péril. Mzé Kabila, lorsque nous avons été attaqués par des rebelles, il a appelé tout le monde à prendre les armes à sa disposition pour défendre la nation. Et ça, ce n'est pas un crime. C'est bizarre que vous devenez ami de Mouzé maintenant. Oh! Attendez. Jean-Marie. C'est Mouzé là, vous l'avez vilipendé. J'ai appris que vous êtes enseignant, n'est-ce pas? Oui, je le suis depuis longtemps, oui. Alors, lorsque dans l'histoire, on fait l'histoire, vous trouverez toujours, lorsqu'on parle des gens, des communautés, des sociétés, il y a toujours des faits positifs et des faits négatifs. Ah. Mzé avait du bon. C'est quoi le bon de Mzé? Comme il avait aussi du faux. C'est quoi le bon de Mzé? J'avais noté dans ce type, excusez-moi de l'appeler ce type. Oui, oui, j'allais vous dire tout de suite. Il était, je retire, oui. En ces messieurs, chef de l'État, il y avait une bonne dose du patriotisme. Beaucoup d'ailleurs. Mais il avait une maladresse. Vous voyez? Et c'est cette maladresse qui ne lui a pas permis de rendre effective sa vision. Mais en Mzé, il y avait beaucoup de bien. Si Mzé avait réussi à fédérer les Congolais, n'est-ce pas, autour de sa vision, on serait loin aujourd'hui. On n'aurait pas connu tout ce qu'on a connu pendant 20 ans ici. On n'aurait pas connu ça. Merci beaucoup. C'est bien de dire du bien de voilà. Mzé. Ça montre que ce n'est pas un crime. L'histoire est je n'étais pas d'accord avec Mzé lorsqu'il est venu bannir la démocratie. Il n'a pas banni, il mettait de l'ordre. Non, c'était... Alors, revenons tout de suite à vous, Peter Kazadi. Ouais. Ne fouillez pas mes questions. Les gens vous suivent à travers le monde aujourd'hui. Vous, les proches du président de la République. Joseph Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs pour bien matérialiser sa vision. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il y en a combien? Il en a des collaborateurs? Oui, qui sont dans sa vision, qui l'aident positivement à formaliser ce qu'il fait. Il en a plusieurs. Combien? Plusieurs. Je ne sais pas. Vous trouvez que c'est normal quand le président de la République se déplace, qu'il y a des questions de logistique, comme en Allemagne, où on loue les véhicules pour la délégation, les gens qui viennent pour congratuler les chefs de l'État, etc., personne ne s'en occupe, et qu'on interpelle le président alors qu'il a travaillé depuis le matin. Vous trouvez que c'est normal, le président, qu'on ne prépare pas très bien ses interventions, notamment sur Manacovid et les autres, et que lui, comme un grand leader, il donne son point de vue personnel en tant qu'humain sur des choses. Est-ce ça, c'est aider le président? Vous savez, votre façon de poser des questions m'étonne. Pourquoi? C'est ce que pensent les Congolais. Hein. Quand ils ont vu le président fatigué, il dit « Ayez quand même pitié de moi, j'ai travaillé depuis le matin. » Vous pensez que le Congolais était content? D'abord, vous mettez en cause les collaborateurs du président, n'est-ce pas? Par rapport à... Qui devait s'occuper de la logistique? Attendez. Qui devait s'occuper de la logistique? C'est pas le président? Laissez-moi vous répondre. Oui, mais répondez. Nous avons un président humain. Comme vous et moi, on est des humains.
Oui, il y a des gens qui, quand une fois il est au pouvoir, il devient extraterrestre. Non, non. Vous avez difficile à les voir comme ça. Nous, nous avons un président. Quand les collaborateurs essayent de les mettre, de les prendre en otage, il dit non, 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 non. Président, Peter Kazadi. Laissez-moi répondre. Pourquoi vous l'exposez? Laissez-moi. Il est là. Pas, on ne l'expose pas. Oui, oui. C'est un homme du peuple. Il aime son pays, il aime son peuple. Lui-même va... Vous n'avez pas vu sur cette vidéo-là que c'est lui-même qui s'est arrêté pour répondre. Mais sinon, il aurait fait... Mais si c'était résolu ce problème... Attendez... Il aurait pas eu de problème. Attendez... Non, on n'a pas besoin de ça. Un président doit être à l'écoute. Il doit apprendre tout ce que vous dites là. S'il y a des collaborateurs verrés, qui au lieu de payer les prestations qu'ils ont louées, vous voulez que ces gens-là s'organisent pour que la population ne transmette pas leurs messages. Faire le travail. Vous savez, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Oui? Laissez-moi vous dire. Au lieu de condamner les présidents pour ça, il faut par contre. Ah, je ne vais pas condamner. Il faut les féliciter. Non. Le président. Si c'est ce que vous dites. A découvert que ses collaborateurs n'ont pas fait le travail comme il fallait. J'ai dit que. Vous, les collaborateurs. Je n'ai pas la certitude, puisque j'ai vu un communiqué du cabinet du président qui ne reconnaît pas ces faits. Qui reconnaît n'avoir pas. Je parle d'un communiqué signé par les services de communication du président de la République. Mais ça, c'est pour maquiller ça. Maquillage ou pas, oui. Ce que moi je note de positif, c'est que nous avons un président qui est à l'écoute de son peuple. Un président à qui le peuple peut s'adresser directement. Et il le fait dans chacune de ses sorties. Ça doit être pris à son actif. La communication sur Maracovid, en quoi c'est mauvais? Nous avons malgré la Covid, mon frère. Ici, moi, j'ai des gens qui sont guéris par ces produits. Est-ce que vous pensez que la famille du créateur, l'inventeur de malgré la Covid, qui n'a pas les moyens, parce que nous ici, nous avons reçu la fille du monsieur qui est décédé d'ailleurs parce qu'il n'avait pas de subvention de l'État. Aujourd'hui, malgré la Covid n'est pas financé dans les pharmacies. Donc, ça coûte presque 500 dollars. Donc, ce n'est pas financé. Donc, le président ne peut pas en parler. Dans un sommet, non, c'est ça? Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que vous reprochez? Puisqu'il il a fait la promotion d'un produit congolais, ça vous gêne? Non, non, ça me gêne. Mais pas. C'est ça? Ce qui me gêne, c'est que alors, les Occidentaux ne veulent pas des solutions africaines au-delà de leurs vaccins. Et par conséquent, il faut rester silencieux. Mais oui, le président. Le président a pris le courage de dire que ne voyez pas seulement l'aspect préventif, mais il y a aussi l'aspect curatif. Chez moi, nous avons des produits. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais parce que l'interprétation des Occidentaux par rapport à cette vérité-là risque de nuire à notre président. Jean-Marie, oui. Là, vous êtes en train de réfléchir à la place des Occidentaux. D'ailleurs, on dit que toi, tu es un Occidental, tu es un Français. Voilà pourquoi comme tu beaucoup. Réfléchis comme des comme beaucoup qui travaillent avec le président. Tu réfléchis, tu défends les intérêts des... Non, je ne défends pas, au contraire, je défends notre président. Notre président a fait la promotion d'un produit congolais. Nous devons les soutenir, l'applaudir, l'encourager. Peter Kazadi, voilà. Pourquoi vous, IDPES, vous les cadres, les collaborateurs très proches, qui avez fait pression sur les églises, c'est-à-dire l'église catholique, la SENCO, tout ce qui était là-bas, pour déterminer et choisir le président de la CENI. D'ailleurs, Chollet l'avait dénoncé. Vous continuez à persister dans ces forcings au point de déranger notre président. Pourquoi vous le faites? Quel forcing? Le forcing de maintenir Kadima. Vous savez, moi je n'aime pas trop me prononcer sur cette affaire de la CENI. Pourquoi? Pour éviter que vous disiez que nous sommes en train de faire les forcings. C'est ce que vous faites? Oui, ça, c'est ce que vous dites. Vous manipulez Mbosso, vous manipulez Bahati, vous manipulez tout le monde. J'ai dit que c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez faire croire à l'opinion... Je n'ai pas moi. Tout le monde que c'est le président de la République qui veut imposer Kadima. C'est l'IDPS qui veut imposer Kadima. Ce sont des Kassaïens qui veulent imposer Kadima. C'est ça que vous voulez répandre dans l'opinion. Voilà pourquoi nous ne voulons pas parler. Mais puisque vous posez la question... Oui. Vous savez, aujourd'hui, la question n'est même pas Kadima. C'est qui alors? La question c'est l'église catholique, l'église du Christ au Congo contre les autres églises. Non. Je vous l'ai dit, est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Chollet a dit que vous les conseillez, vous avez appelé, vous avez menacé. Laissez-moi répondre. Donc il a menti. On a appelé un Chollet. Il a menti.
Au cours d'une conférence de presse, il a dit. Il a dit qu'on a, on l'a appelé. Il a dit, il a même prévenu que s'il lui arrive quelque chose, vous savez une fois ici sur ce plateau, vous m'avez montré des fausses images disant que c'était des fausses images. C'était Vital Kamer. C'était des images. Et qui existent voilà déjà. Aujourd'hui, vous venez encore dire que Nchole a dit qu'on l'avait menacé. Nchole l'a dit où? Vous n'avez pas entendu et vu les conférences que Nchole a données à Kinshasa? Que lui, Nchole a été appelé menacé. Mais Nchole a dit, il y a des menaces sur nous. Oh, Jean-Marie. Que s'il arrive quelque chose à certains d'entre nous, on va se... Vous voyez que vous changez, vous êtes en train de changer. Mais Nchole l'a dit. Moi, je suis l'actualité. Oui. C'est pas Nchole a dit. Que? Ce n'est même pas Nchole. Il a dit quoi? Les confessions. Les religieuses, oui. Et les huit plutôt. Oui. On fait un communiqué dans lequel il disait qu'il y a des menaces sur certains chefs. Ce n'est pas Nchole. Il y a une différence. Et Nchole dit... Attendez, on va vous donner le son. Laissez-moi. On va vous donner le son. Nchole lui-même, quand il intervient... On va vous donner le son. Il dit qu'il y a des collègues qui ont dit qu'ils ont subi des pressions. Pas Nchole. C'est lui qui est allé faire le point de presse. Non. Il faut laisser Jean-Marie. La voix là, c'est qui? Il faut laisser ça. C'est la voix de qui? Non, il faut laisser... Il faut faire la différence entre rapporter les faits et donner les faits qu'on a soi-même vécu. Il parlait au nom de qui? Rapporter la qu'il parole. Qu'il soit lui ou rapporter ses collègues. Rapporter la parole qu'il de quelqu'un. Pression ou pas. Et sa propre parole sont des choses différentes. J'ai dit qu'il y ait, que ce soit lui Nchole ou ses collègues, parce qu'il fait partie de la structure. Qui menace il y a des gens? Pression qui menace des gens? On a dit. Nchole lui-même. Oui. Sur Top Congo. Il a qualifié la position de ceux qui faisaient pression, qui sont allés marcher à la Senko, la Mouka. Ah. Il les a qualifiés des extrémistes. Ça devient de la Mouka Mais ce sont eux, on les a vus, ils sont allés là-bas, pendant que les chefs de confession là se réunissaient. Il y a des gens qui étaient dehors qui faisaient des menaces. Pourquoi vous ne voulez pas citer leurs noms? Vous voulez citer les noms de ceux qui ne bougent pas, qui sont là, qui ne parlent pas? Donc vous aujourd'hui, dites que ce sont eux. Tout problème qui vous dérange, c'est la Mouka. Papa, moi je parle... Donc la Mouka est devenue votre bête noire aujourd'hui. Je parle avec des faits. Est-ce que, en votre qualité de journaliste, vous n'aviez pas suivi nos amis de la Mouka devant la Senko pendant des jours, en train de faire des protestes, de faire des marches, appelant à l'ensemble des églises, les huit confessions de ne pas envoyer un candidat à la CENI? Ce ne sont pas des menaces, ça. Quand vous avez manifesté dans la ville ici, faire tuer les gens lorsque Malone... Nous, quand nous manifestons, nous nous assumons. Et nous n'allons pas responsabiliser ceux qui n'ont pas manifesté. La Mouka a fait pression sur l'Église pour que l'Église ne donne pas un candidat. C'est de là qu'on peut rechercher la pression et non pas chez nous. Peter Kazadi, aujourd'hui, l'Église catholique, la CENCO... Les CC deviennent maintenant vos bêtes noires, alors que hier, c'est eux qui vous ont prêté leurs églises. Non. Les 50-50 de Gabon, ça vous dit quelque chose? Les bêtes noires, c'est vous qui les dites ici. Nous n'avons jamais dit que l'église catholique était... Mais vous avez traité Nchole et Ambongo de corrompus? C'est vous, IDPS. Allô? Oui. Bêtes noires corrompues. Vous voulez dire que Ambongo, mon cardinal Ambongo, c'est lui l'église? Ah, il incarne quoi? Aujourd'hui, le cardinal national... Il incarne quoi? C'est pas lui l'église catholique? À Rome, on connaît le cardinal du Congo, c'est qui? C'est pas Mbongo. Donc, puisqu'il est cardinal, il est l'église. Qui représente l'église catholique? Vous connaissez ce que c'est la Senko? Est-ce que Outembi vous porte dans son cœur? Outembi? Jean-Marie, vraiment. Vous, il dépèse. Non, répondez. J'ai dit. Outembi vous porte dans son cœur? Nous faisons un débat... C'est pas un débat, je vous pose des questions en tant que membre éminent de l'IDPS. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église catholique, la CENCO, Outembi, Nchole, Ambongo vous posent dans leur cœur? L'IDPS n'a aucun problème avec l'Église catholique. Aucun. Bon, Kaboué, j'étais trompé. L'Église, c'est une institution, n'est-ce pas? Un membre de l'Église, comme humain, peut commettre une erreur. Il peut commettre une faute. On peut les critiquer. Lorsqu'on critique un membre de l'Église, on n'a pas critiqué l'Église. Est-ce que vous demandez pardon aujourd'hui? Comment? Vous demandez pardon à l'Église catholique, pour les représentants, pour avoir de les avoir traités de corrompus? Non, Jean-Marie, il faut arrêter avec ça. Personne n'a traité l'Église de corrompus.
j'ai dit et je répète qu'il faut faire la distinction entre un membre de l'Église et l'Église. La Cinco est structurée, ils ont un représentant. Le cardinal n'est pas le représentant de la Cinco. Abenchole n'est pas représentant. Secrétaire général. Oui, c'est un secrétaire général. De qui? De quoi? De la Cinco. Merci. Alors, Peter Kazadi, la commission paritaire mise en place par Mbosso, qui défend les intérêts de la de l'Union sacrée. Qui défend les intérêts? Mbosso. Oh là là là. Et où vous êtes juriste? Dans cette commission, il y a qui? Il y a qui? C'est, vous l'avez appelé la commission paritaire. Justement. Alors. Expliquez à l'opinion la composition de la commission paritaire. Elle est composée des membres de l'Assemblée nationale, c'est tout. Non. On dit paritaire, ça veut dire au pouvoir opposition. Oui. Membre de l'opposition, c'est qui? Membre de l'opposition. Oui. Mais il y a l'opposition qui est au qui? Parlement. Vous voulez que je vous cite tous les membres de l'opposition? Le FCC a dit non. Kamere a dit non. Moïse Katumbi a dit non. Maintenant, votre opposition, vous la trouvez. Moi, je me demande si vous êtes encore journaliste. Je le suis. Non. Mais c'est ça. Non, pas de communiquer. Moi, je regrette beaucoup. Est-ce que vous êtes encore journaliste? Non. Peter Kazadi. J'ai dit commission paritaire doit être composée de opposition et majorité. Et puis, vous ajoutez, qui a dit non? L'FCC a dit non. Oui. Katumbi a dit non. Eliezer, elle est de quel groupement? Vous parlez des individus ou des groupes parlementaires? Finalement, je regrette beaucoup. Non, allez-y. Dans cette commission, il y a toutes les sensibilités. L'opposition, la majorité, ils sont là. Vous savez pourquoi je vous demande... Qui les a envoyés? Attends, vous savez pourquoi je vous pose la question? Ne fuyez pas les questions. Hein. Vous voyez? Ne fuyez pas les questions. Quand je vous demande... Les gens qui nous suivent là, ils voient que vous êtes en train de fuir. Quand je vous pose la question de savoir si vous êtes encore journaliste. Mais parce qu'apparemment, vous êtes sur une autre planète, vous ne cherchez pas l'information. Non. Vous êtes là, vous vous contentez de ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et vous répercutez. Mais c'est dangereux. J'ai commencé par vous demander qui compose la commission paritaire. Est-ce que Télé 50... Vous m'avez dit, Eliezer représente l'opposition. Attends. Est-ce que Télé 50 a un attaché... Une équipe entière. Oui. Au Parlement, oui. Et ces gens-là ne vous donnent pas des détails? Ici. Ils ne vous... Bon. Moi-même, je connais la OK. Commission. Alors, dans la commission, d'après vos ressources-là, qui sont au Parlement, on vous a dit qu'aucun membre de... Je vous repose la question autrement. Pourquoi vous faites faire un bâtard de la commission? Attendez, non, que je pose mes questions. Non, attendez, je réponds d'abord. Vous dites, quand je vous cite les noms des gens, vous dites qui les a mandatés. Oui. Donc, vous êtes encore toujours, votre structure mentale, hein, c'est toujours, il y a la notion de l'autorité morale dans votre esprit. Non, là, non. Qui doit dicter. Non, non. Il est assis à Kingakati, il ordonne non, et les choses. Non, non, quand ce n'est pas sa volonté, rien n'existe. C'est ça aussi un autre problème. Non, oui. Non. C'est ça. Pourquoi ça bloque? Le président de la République lui-même. Pourquoi ça bloque alors? Le président de la République a dit aux députés que il ne sera plus question de l'autorité morale. Si vous êtes encore dans la logique. C'est son rôle. Hein? C'est son rôle. Oui. Les députés sont un pouvoir à part entière. Hey. C'est un pouvoir législatif. Oui. Il n'appartient pas au président de la République de et l'autorité des morale. Injonctions. Non. L'autorité morale est instituée dans notre pays par quelle loi? Non, ce n'est pas question de loi. Quand vous formez l'Union sacrée, vous adressez bien à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, ils sont qui? Ils sont qui? Écoutez, Jean-Marie. Ils sont qui? Vous dites Katumbi, Bemba, le partenaire, Kamer et partenaire, ils sont dis, qui? Je vous dis, ils sont chefs de leur parti. Oui, autorité morale. Nous les respectons. Bah, il est autorité morale. Écoutez. De l'AFDC. Écoutez. Il faut éviter de prendre la classe politique en otage. Par qui? Avec des individus. Mais quels individus? Qui prennent l'ensemble. Vous savez pourquoi l'FCC s'est balkanisé aujourd'hui? C'est des faits. C'est vous qui avez balkanisé. C'est à cause de ces notions-là. C'est vous qui avez balkanisé. Vous ne voulez pas laisser la liberté aux gens.
Mais vous ne voulez pas laisser la liberté. La Cour constitutionnelle. Vous ne voulez pas laisser la liberté. Vous êtes juriste. Les députés. La Cour constitutionnelle a dit il faut des groupes parlementaires. Aujourd'hui, la décision qui était donnée est devenue contradictoire. Les députés ne régis que par la Constitution. Ah bon ? Les règlements intérieurs, n'est-ce pas ? C'est vrai que les gens peuvent s'entendre, les groupes parlementaires sont institués par les règlements intérieurs, mais cela ne doit pas faire qu'il y ait des individus, Peter Kazadi, autorité morale, Peter Kazadi, qui décident sur la vie de Peter toute une Kazadi. Nation selon leurs besoins. Attendez, ça, c'est à combattre. Lorsqu'il fallait mettre en place le bureau d'Assemblée nationale, on a exclu des candidats. Parce qu'ils n'ont pas été envoyés par les groupes parlementaires ou les partis politiques. Oui. Alors, c'est un peu contradictoire à votre affirmation, mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Laissez-moi vous poser la question. Vous voyez là où vous êtes. J'ai dit que vous ne suivez pas l'actualité. Oui, c'est quoi ? Allez demander à vos journalistes, les députés qui ont siégé dans cette commission. Puisque, ne me poussez pas à vous dire beaucoup de choses. Dites-le. Moi, je vous dis que. Vous manipulez Mbosso pour qu'il fasse ce que vous voulez. Mais là, vous manquez du respect au président. Je n'ai pas dit manquer du respect, c'est le constat. Vous prenez quelqu'un de cet âge-là. Non, ce n'est pas question de. Avec. Obédience. Avec, non. C'est question d'obédience. C'est un manque de respect. Obédience. Non. Quelqu'un de cet âge-là, avec l'expérience politique qu'il a, vous dites vous les manipulez. Bon, je change. Je rectifie. C'est pas bien. Vous influencez. Influencer. Les gens de l'Union sacrée au niveau du Parlement pour faire exactement ce que vous voulez. Donc ces gens-là, bon, je vous comprends. Tout ce que vous dites là, et même ceux qui nous traitent de voleurs, ce sont des anciens voleurs qui nous voient assis sur leur siège. Puisque sur leur siège, ils volaient, ils manipulaient, ils influençaient. Ils pensent que nous sommes dans la même logique. C'est ça le malheur aussi. Peter Kazadi. Quand vous dites que moi, on me paye 600 000, non, mais ça, c'est puisqu'il y avait des gens c'est dans ce pays. Moi. Il y a des gens dans ce pays qui touchaient 600 000, qui touchaient des millions par mois sans travailler. Et aujourd'hui, quand on voit Peter Kazadi, proche du président de la République. Train de vie. Voilà, on dit, c'est que moi j'ai gagné hier là. Lui est en train de bénéficier de ça. Je vais le dénoncer. Mais vous le faites dans le vide. Peter Kazadi. Puisque nous, on n'est pas dans cette logique-là. Peter Kazadi. Quand on dit que vous prenez des mauvaises décisions pour empêcher, mettez-nous notre président d'avoir un bon bilan 2023, qu'il soit en bonne intelligence avec le peuple, etc. Lui, il a de bonnes intentions. Oui, votre ministre... Il est tellement animé de oui, bonne oui, foi. Oui, oui. L'amour pour tout le monde le sent. Voilà. Mais c'est vos conseils à vous qui dérangent le président. Lesquels ? Tout le monde sait que le Congo n'a pas une compagnie aérienne. Tout le monde sait que le Congo est immense. Comment votre ministre de l'économie va demander aux compagnies aériennes de baisser le prix, ce qui est une bonne décision d'ailleurs pour permettre aux gens d'y aller. Mais en contrepartie, l'État ne subventionne rien, la capacité financière ne tient pas, les compagnies ont des problèmes de logistique, etc. Conclusion aujourd'hui, il y a des villes qui sont isolées. Je vous réponds à cette question par quelque chose. Quoi ? Qui m'a été rapporté. D'abord, je vous dis que quand moi j'étais enfant, mon père me payait les billets d'avion à 120 $. Quitter le Kasaï, Kinshasa, quitter Kinshasa, Mbujimayi, 120 $. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui a fait que ces billets quittent 120 quand j'étais jeune, 12 ans, 10 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 45 ans. Les billets ont augmenté des prix. Pouvoir d'achat. En dollars. Oui. Des pouvoirs d'achat en dollars. Train de vie, économie, production voilà, nationale. Voilà, en dollars. Oui. Je vais y revenir. Voilà ce qu'on me rapporte. On nous a vendu les passeports dans ce pays à 240 $. Mais je dis, ça coûte plus cher encore. Non. Et au moment où je vous parle, il n'y a pas de courant. Jean-Marie, vous pour voyez, la capture. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il continuez. Vous plaît ? On nous a vendu les passeports à 240 $. Moi, je suis entré en contact avec les messieurs qui avaient amené ces passeports ici. Vous savez ce qu'il me dit ? Il a proposé les passeports à 80 $. À l'époque, sous Kabila. Le conseiller, un des conseillers de Kabila, chef de l'État, que vous connaissez bien, chef de l'État. Encore chef de l'État. Oui. Il lui dit non.
mettez à 160 dollars. Il dit, non, mais moi, j'ai des Occidentaux avec moi. Comment on va passer de 80 à 160? Il dit, non, il y a beaucoup d'impératifs là-bas. Il faut des fonds de recherche pour les chefs de l'État, tout ça. Il dit, bon, laissez-moi, je vais étudier. Aujourd'hui, ça coûte combien? Je parle à la télé. Ça coûte combien aujourd'hui? Attends, je parle à la télé et j'assume ce que j'ai dit. Assumer? Monsieur dit, bon, attendez, je vais me concerter avec mes partenaires. Il revient demain. Il lui dit, bon, 160, on a accepté. Il dit, non, non, 160, c'est très peu. Mettez 240. Dans ces pays, celui qui amène les passeports les donne à 80 dollars. Les conseillers, comme vous dites, vous fustigez les conseillers là, ils mettent à 240. Et si nous avons acheté ces passeports-là à 240. Aujourd'hui, ça coûte combien? S'il vous plaît. Ça coûte combien? Nous avons acheté ces passeports-là à 240. D'accord, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça coûte combien? Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, on met ces passeports à 99 dollars. Moi, j'achète ces passeports-là à 99 dollars. Mon fils venait de prendre ses passeports, je parle à la télé. Venez de prendre ce passeport-là à 99 dollars. On va couper ce que vous dites ici. On vous met le vrai prix. Je vous dis que s'il y a maintenant des margoulins qui demandent à gauche, à droite, donnez-moi. Et puis les Congolais, nous avons la culture de presser, d'être pressés. Jamais les Congolais vous aimaient suivre l'ordre. Vous trouvez les gens qui sont devant vous, vous cherchez à corrompre pour être les premiers. C'est comme ça qu'on vous vend les passeports à 500 dollars. Lui, il prend de bonnes décisions, lui. Il prend des bonnes décisions. Oui, lui. Le ministre. Oui. Oui. Mais je viens de vous illustrer. Mais Boujouma est coupé, Kanan est coupé, Banda est coupé. Non, Jean-Marie. Oui, oui. Je vous ai donné cet exemple du passeport pour revenir sur les avions, oui. Le prix des billets. Le prix du billet. Je vous ai dit que quand moi j'ai grandissais, les mêmes avions là. C'était pas le même contexte. La même distance, ça coûtait 120. C'était pas le même carburant, c'était pas le même appareil. Le carburant a changé? Le prix, oui. Le prix. Ah bon? Oui. Donc, l'économie a changé aussi. Je vous dis que... Vous voyez le monsieur ici? Oui. C'est un rompu. Il a passé il pratiquement... Il était conseiller de Bahati. Il a pratiquement passé toute sa carrière dans les ministères où il était conseiller de Bahati. Il était conseiller, mais je vous dis au-delà de ça. Oui. Il a passé... toute sa carrière dans ces ministères-là. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il connaît les secrets, les manigances, tout ce qui s'est fait hier. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout ce qui se faisait hier, oui. Pour que les gens empochent. Quelqu'un est là, chez lui à la maison, chaque fin du mois, on lui apporte les 600 000 que vous m'attribuez là. Sur base des billets, pourquoi des billets d'avion, de ceci, de cela. Peter, et nous, Félix Tshisekedi arrive, nous disons, nous remettons tout en cause. Allez, la vérité des prix. Peter Kazadi, pourquoi ce qu'il a pris comme décision, et pour les avions, et pour les produits surgelés, ça ne marche pas? Si c'était juste. Parce que tout changement connaît toujours des résistances. Ah bon? Ah oui. Lui, il a raison, tout le monde a tort. Il a raison puisqu'il agit sur des bases objectives. Et objectives quand il y aura des grèves sur bientôt, des bases objectives. Quand il y aura des grèves bientôt, des raretés. Vous allez assumer. Rareté de quoi? Mais des produits quand les villes seront coupées. Je vous dis que c'est un combat et de la bonne guerre, n'est-ce pas? Notre chemin vers le bonheur connaîtra toujours des embûches. Ce n'est pas une raison pour nous de baisser vous les bras. Vous devenez philosophe. C'est que non. Je vous dis, c'est ça la vie. Ce sont des principes de la vie. Quand vous combattez le mal ne vous laissera pas tranquille. Le mal va toujours réagir, chercher à vous décourager. Mais nous, on ne va pas décourager, puisque nous, notre mission, c'est de remettre ce pays sur des rails. Combattre des antivaleurs, lutter contre la corruption. Ça, c'est notre combat. On le fera contre vent et marée. Peter Kazadi, les députés, vous êtes député provincial ici, les députés de l'Ituri, du Nord Kivu, oui. Ont émis des réserves sur le vrai bilan de l'état de siège. Ils demandent même d'ailleurs qu'on revoie ça sur le plan de la justice, sur le plan du bilan, sur le plan même de l'effectivité de la paix, parce qu'on coupe les routes tous les jours ici. Encore une fois, vous avez donné de mauvais conseils au président. Ah, donc prendre des mesures... Vos collègues députés émettent des doutes. Vous les avez dit que c'était des corrompus aussi. S'il vous plaît. Qui sont dans la guerre, qui sont dans les groupes armés. Ils vous suivent. Lorsque
le président de la République prend le pouvoir, il trouve la guerre généralisée, les tueries dans cette partie de la République. N'est-ce pas? Il essaie de prendre des mesures qui n'ont jamais été prises. L'état de siège. On voit subitement les députés, comme vous les appelez. Ah, ils le sont. Hein? Ils le sont. Vous les contestez? J'estime tout simplement qu'un bon député ne peut pas aller à l'encontre des mesures qui tendent à soulager sa population. Mais si le bilan n'est pas bon? Un bon député ne peut pas prendre, ne peut pas s'opposer à des mesures qui tendent à quoi? À améliorer les conditions de sa population. Ça améliore aujourd'hui? L'état de siège n'a que quelques mois, n'est-ce pas? On est en train de combattre l'ennemi qui s'est enraciné des décennies durant. On ne peut pas, le même jour, déraciner. Donc on va garder à l'état déraciner, déraciner l'état de siège. On va garder pour ça moi, tout le mandat. Ça doit. Ça doit rester aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix. En quoi ça gêne l'état de siège? Vous savez ce que moi j'ai... Un gouvernement d'exception? C'est ça qui gêne. Écoutez, vous savez les vrais problèmes. Les militaires l'ont dit. J'ai suivi les porte-parole du gouverneur dans cette partie de la République. Quoi, les militaires? Il a dit que ce sont des gens qui sont derrière ces massacres. Vous savez, les problèmes là-bas, c'est quoi? C'est les contrôles des minéraux. Donc vous insinuez que les élus locaux sont dans les minéraux. La plupart des gens, que ce soit ici à Kinshasa, comme dans les provinces, ce sont des politiciens qui gèrent des mines. Et pourquoi vous ne les arrêtez pas? Et comme cette mesure vient déranger leurs intérêts, c'est comme même au niveau national, quand on combat la corruption... Ce sont des corrompus qui se battent contre les mesures. Pourquoi on les arrête pas alors? Si on les connaît, hein? Arrêtez-les. On va les arrêter, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas appris... Il y en a un qui a juste dit, fait une réflexion sur le président, vous l'avez arrêté. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas ceux qui sont dans la guerre? J'ai dit qu'on mettra la main... Quand? Sur tout, au moment opportun, ne vous en faites pas. Au moment opportun, on mettra la main sur toutes les personnes qui sont derrière cette situation d'insécurité. On mettra la main dessus. Dans votre... J'entends des critiques. J'aimerais qu'on ouvre cette page. Oui. J'entends des critiques sur les voyages du président qui n'auraient rien apporté, tout ça. C'est vous qui commencez, hein? Ah oui. Parce que si on va vous demander, notre président, il vient de faire 15 jours à l'étranger. Ouais. Il a fait l'Allemagne, l'Italie. Là, il est à Rome, en faisant un petit crochet Turquie. En Belgique. En Turquie, pardon. Oui, il a fait l'Italie, Rome. Là, il est en Turquie, Ankara, et il va faire un petit saut sur Belgique et puis y revenir. Sur papier, on a combien? On a jusque-là... D'abord, vous savez... Bon, au compte du trésor, je veux dire. Vous savez, les pays Congo, la RDC, étaient coupés du monde. Donc? Il fallait les sortir de l'abîme où on l'avait placé pour les mettre sur l'orbite. Avec les voyages? Avec des voyages. Et les ambassadeurs font quoi comme travail? Écoutez, on n'a pas même mis en place jusque-là. Jean-Marie. Hein. Continuez. Il faut me laisser parler. Continuez. J'ai entendu une ONG et j'ai même suivi un ancien gouverneur de Kassai Central. Oui, vous voulez parler du professeur Kabasubabu. Un grand écrivain. Scientifique. Vous savez, je l'ai suivi. Oui. Il parle, il de fait. Ce qui s'est passé. Il formule les vœux de voir ce qui s'est fait à. Non, il fait l'analyse. Il formule les vœux de voir ce qui s'est fait en Guinée. En Guinée qu'on a créé ici. Oui. En disant. Il y a des similitudes. En disant que, voilà, il y a l'instrumentalisation de la justice. Non. Un, le voyage du président. Le président Tshisekedi dit. Et aujourd'hui, président de l'Union africaine. Tous les voyages qu'il effectue... C'est payé par qui? Tous les voyages qu'il effectue, il ne les fait pas uniquement comme président de la République Mais démocratique. C'est payé par qui? Continuez. Non, je peux juste poser une petite question. C'est payé par qui? Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Oui. Il voyage
tantôt comme président de la République démocratique du Congo, tantôt comme président de l'Union africaine. L'ensemble de ces voyages n'ont pas totalisé même 25. Le monsieur ici parle de 250 millions. Professeur Kabasou. Voilà. Vous savez. Ancien gouverneur, grand écrivain. Les gens comme lui. Oui. Hein, il devait se taire. Pourquoi? Vous savez pourquoi il doit se taire? Pourquoi? Il est issu de la rébellion. Comme beaucoup. Secrétaire général d'un parti qui est inexistant aujourd'hui. RCD. Incompétent. Il a été élu gouverneur dans le Kassai central. Il a fait ce qu'il a fait. Chassé par les députés. Non. Pour incompétence et gabegie financière. Vous avez des faits? Il se livre aujourd'hui au mercenariat politique. Non. Vous l'interdisez de réfléchir. Non. Vous l'interdisez d'analyser. Non, écoutez, vous savez. Là, c'est des attaques personnelles. Vous savez, Jean-Marie. Oui. Il y a des gens. Hein, bon, je refuse de citer les noms des gens ici pour ne pas les faire la publicité. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Lui n'a aucune leçon, ni de morale, ni de bonne gouvernance qu'il peut donner. Vous êtes piqué, hein. Il est dans sa logique. Vous êtes piqué, hein, par le président. Non. Il vous fait du mal. Il hein. est. Non. Je vous sais. Savez que c'est votre premier exilé. Est-ce que. Il s'est exilé. On a failli les tuer ici. Non, vous savez quoi? Voilà une autre raison. On a failli les tuer ici. Voilà une autre raison. Oui. Pour maintenant se taper le statut d'un exilé, il veut raconter n'importe quoi. Pour justifier que si je rentre au pays, on va m'arrêter. Mais si il est parti dans quelles conditions? Je ne sais pas, c'est vous qui m'informez. Je l'ai vu ici au pays, informé. toujours dans la réflexion. Est-ce que lui, il est réfléchi? Oui. Quelqu'un qui a été incapable de gérer une province, chassé par les députés. Ça, c'est votre point de vue. Chassé par les députés. Peter Kazali. Secrétaire général d'un parti. Non, vous allez vous répéter. Qui est aujourd'hui mort. Vous vous répétez. Oui. Question maintenant. Donc, je voulais dire. Les voyages du président. Nous avons reçu de la banque de FMI, oui. 1,5 milliard. Qui sont où? Alors qu'il y a des impayements partout. Voilà pourquoi j'ai dit que vous n'êtes pas. Il y a des impayements partout. Mais vous, est-ce que vous êtes journaliste, Jean-Marc? Oui, oui, oui. Je réponds aux questions d'un journaliste. Mais vous avez dit que nous avons 1 milliard de dollars alors que les gens sont impayés. Je réponds aux questions d'un journaliste oui. qui se veut grand oui. ou bien à un militant d'un parti politique. Non, Vita Imala. Il n'y a pas de parti. Nous sommes en train de discuter avec vous comme Vita Imala. Vous avez dit que nous avons 1 milliard de plus. Nos policiers n'ont pas de tenue. 1,5 milliard obtenus grâce aux efforts de la diplomatie du président Félix. Promesse ou du concret? J'ai dit que c'est déjà. Vous ne connaissez pas les principes des finances de finances internationales, n'est-ce pas? Lorsque nous avons signé une convention avec les Fonds monétaires internationaux. C'est un programme. Mais oui, c'est déjà acquis, Jean-Marie. Un programme, les décaissements hein? vont venir au Ça fur et à mesure. Ça va venir ou pas? Ça risque de ne pas venir maintenant. Ça, c'est du Vita Imana, mon Dieu. Ça, question, c'est du Vita Imana. Question, Peter Kazadi. Le monde vous suit, y compris ici au Congo. Vous savez que la plupart des gouverneurs qui vous faisaient confiance en basculant dans l'Union sacrée, ils sont dubitatifs aujourd'hui. Les gouverneurs? Oui. Vous avez adopté Atou Batumona, gouverneur Congo central. Il était FCC, vous avez fait du charme, tout ça. Ministre de l'Intérieur, on les sanctionne, vous les remettez. Aujourd'hui, vous l'avez lâché comme un. On l'a une lâché chaussette. Où? On l'a lâché où? Ben, on l'a jeté. Une fois encore, je vais vous dire une chose. Oui. Votre structure mentale n'est pas encore libérée. De quoi? D'état du kabylisme. Non. Il est où? Vous dites qu'on a lâché Atou. Oui. Atou a démêlé avec la justice. Les députés. Les Atou. Il a toujours eu. A démêlé avec. Il a toujours eu. Avec. Son parlement. Les députés l'ont chassé à plusieurs reprises, vous l'avez remis à sa place. S'il vous plaît. Oui. Atou a des démêlés avec son parlement. Pour être gouverneur, il faut être élu par le parlement. Oui. Ça, c'est un. Et les parlementaires l'avaient chassé, vous l'avez remis là-bas. Il y a même des décisions de justice. Vous n'avez même pas écouté ces décisions. Quand je parle de la structure mentale qui pose problème, non. vous êtes habitué. Vous, les kabylistes, vous êtes habitués à pactiser même dans les mal. N'est-ce pas? Il est là. Vous êtes habitués à pactiser dans les mal. Chez nous, la différence, c'est que
quand vous n'avez pas de problème, vous êtes mon ami, je vous soutiens quand vous faites bien. Dès que vous avez des problèmes que vous-même vous aurez créés par votre conduite, je me réserve de vous suivre dans vos problèmes. Et maintenant, vous dites que je vous ai lassé. Est-ce que le mal, hein? Ou plutôt la difficulté de monsieur, hein? Comme d'autres, c'est les vous auriez voulu, attendez que je vous pose auriez ma question, voulu me voir soutenir toute personne qui a des problèmes. Vous êtes aussi mon ami, non? Toujours. C'est comme ça. Mais là, je vous pose des questions. Vous me posez des questions. Alors, répondez si à la question. Si demain, Jean-Marie, on vous attrape dans votre affaire Peter privée, Kazadi. Vous commencez à m'appeler pour que je vienne Peter au secours. Kazadi. Quand je vous dis non, je n'ai pas la possibilité, Peter vous dites Kazadi. Que je vous ai lâché. Peter Kazadi. Hein? On dit que la plupart des gouverneurs, ils ont des problèmes de jetons. Jetons. Des jetons. Oui. Qui quittent les provinces. Comme à la plus belle époque de Kabila. Allez-y. Ils ont des problèmes de jetons. Ça monte au ministère de l'Intérieur, ça monte voilà. Au niveau des officiers. C'est ça. Ah, laissez-moi poser la question. Mais allez-y. Les gens sont en train de s'embêter là. Oui, allez-y. Comme a tout commencé à résister un peu à remonter les jetons. Voilà. Mais il y a Kiaboula derrière. Il y a Fifi Masuka. Qui me paye 600 000. Vous anticipez, hein? Mais oui. Fifi Masuka. C'est ce que vous dites. Le pauvre Ngobila de Kinshasa. Lui me paye combien? Ah, vous savez pourquoi, hein, combien? Ah, voilà. Donc, ces gouverneurs qui étaient victimes hier, le sont encore aujourd'hui. Voilà. Moi, je reviens encore pour vous dire que dans votre mental là, comme vous avez vécu longtemps dans ce système là des jetons, vous pensez que ceux qui vous ont remplacé sont dans la même logique. C'est faux. Non, mais... C'est faux. Ah, ce que j'ai dit est faux. Non, j'ai dit, les jetons, là, ça n'existe pas. Dans votre esprit, ça existe. Les gouverneurs, là, vous suivent. Dans votre esprit, ils vous suivent. Dans votre esprit, mais je parle à la télé. Peter Kazadi. Je parle à la télé. Ces gens-là vous suivent. J'ai dit ceci. Oui. Les jetons, là, les systèmes, là, que vous décrivez, c'est juste dans votre mental. Les gouverneurs, vous devez faire un effort pour. C'est comme ça que Kabila Zonga est. Donc, j'ai dit, les gouverneurs ne donnent rien. Le système, il y a jetons et zonga pour beau vivre. Nous, on ne veut pas de ce système. Merci. Nous nous sommes battus pour les changements dans ces pays. Oui. Et nous sommes dans la logique. Nous allons vaincre la corruption. Bon, la corruption existera toujours. Mais nous allons la diminuer. Aujourd'hui, les gens ont peur de toucher à l'argent de l'État. Hein? Ah bon? Ah oui. Les gens ont peur. Allez pester, vous savez. Ce qui justifie aujourd'hui, l'augmentation des recettes mensuelles. Allez pester. On est passé du simple au double. J'ai dit, allez pester. Le ministre essaie d'apporter des modifications, etc. Mais l'IGF lui fait l'imbamba. Ah oui, l'IGF, c'est un instrument de gestion terrible, redoutable. Voilà pourquoi aussi on s'attaque trop à l'IGF. Donc... Avant de vous laisser au jour d'aujourd'hui, Jean-Marie, oui, hein, oui. Vous devez être fier que votre pays est en train d'être remis sur des rails. Mm. Oui, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Et au Kassai, le Tshilegelo, on le voit, la couleur? Tshilegelo est en cours. Parce que l'autre est de retour là-bas, candidat gouverneur... votre ami d'ailleurs, Paul Chilumbu, il n'a pas vu Tshilegelo là-bas. Denis Kamba était au Kassai, il n'a pas vu Tshilegelo là-bas. Bon, dernière question. C'est un projet qui va être réalisé. On a lu dans la presse, enfin, presse plus internationale, qu'il y a des concertations, consultations obscures, un peu souterraines en ce moment, sur le probable dialogue. Parce que est-ce que la machine bloque? Dialogue. Oui. Dialogue inclusif. Oui, que le conseiller spécial aurait déjà entamé les consultations. Tout ça, c'est dans votre mental. Vous n'avez pas vu le papier, vous qui suivez les... Non. Les rédacteurs de ces papiers-là, hein? Il a toujours en lui ce qu'il a vécu sous Kabila pendant toutes les années. C'est pas un Congolais? Qu'il soit Congolais ou pas, dans son mental, il y a toujours... Colette Brasman, jeune Afrique... J'ai dit ceci. Vous savez... Nous avons renvoyé une image à la communauté, tant nationale qu'internationale, oui. Des politiciens, des conciliambiles, les gens qui n'ont jamais été élus, se retrouvent dans les parlements des faits, ils deviennent des ministres, ils n'ont de parti que leur mallette,
mais ils font trop de bruit à la télé. Nous, ceci, cela. Ils se donnent mais des. Si ça bloque, là, on parle. Ils se donnent des noms. Si ça bloque. Des noms. Si ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Ben, la CENI, là, que vous êtes en train de forcer. La CENI a bloqué. Il n'y aura pas de correction, il n'y aura pas de membres au niveau de la plénière qui seront envoyés. Il n'y aura pas de président. C'est ça votre souci. Votre souci, c'est de bloquer. Hein? Il faut, d'ailleurs, tout ce qui se fait aujourd'hui, oui. C'est bloquer, créer une crise, provoquer la tension, tuer des gens. La Mouka déjà projette de tuer les gens les 15. Il projette de tuer des gens. Intention. Ils veulent créer une psychose une pour justifier gratuite. Les dialogues que vous recherchez là. C'est une accusation. Alors, gratuite. C'est de la bonne guerre, n'est-ce pas? Et font leur travail. Nous aussi, nous faisons les nôtres. Notre travail à nous, c'est de maintenir l'ordre et la sécurité puisque nous avons la gestion du pays. En tuant les gens. Il y a des opposants. Avec les gaz lacrymogènes. Il y a des opposants qui, faute de mener une opposition républicaine, rêvent même d'appeler au soulèvement populaire, soulever la population, intoxiquer. Par exemple, les messieurs que vous venez de montrer ici, il fait appel à l'armée, tout ça. Ça n'arrivera pas. Vous avez peur. Nous avons. Papa, vous savez quoi? Nous nous sommes battus dans ces pays oui. Face à un pouvoir dictatorial fort. On n'a jamais eu peur. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Notre objectif majeur aujourd'hui, c'est de réaliser la vision que vous avez pour, vu ce qui s'est passé la vision en Guinée. Pour laquelle nous nous sommes battus. Ce qui s'est passé en Guinée d'abord. Dans ces peuples d'abord, il y a tous les secteurs de notre société, n'est-ce pas? Toutes les catégories sont concernées et nous nous battons. Même vous, Jean-Marie, même les opposants les plus radicaux là, n'est-ce pas? Quand nous allons remettre ces pays sur les rails, eux aussi vont tirer profit. Et nous, nous sommes concentrés à ça. Les gens peuvent peaufiner des stratégies macabres pour amener les pays dans les troubles. Nous avons notre volonté de bien faire et notre Dieu qui nous sécurise. Merci voilà. Beaucoup, Peter Kazadi. Je rappelle, avocat, cadre de l'UDPS et conseiller du président Tshisekedi, optimiste, hein, on le sent. Oui. Toujours député de Kinshasa ou pas? Oui, oui. Bon. Toujours député. Vous n'avez pas dit combien mon gouverneur me paye. Mais comment moi je suis député ici à Kinshasa au lieu de dire vous êtes que... en bon terme avec Gentil Ngambila. Pardon. Mais comment? Question seulement. Oui, nous, en très bon terme. Pourquoi vous ne dites pas que Ngambila me paye autant? Vous me renvoyez au Lwanda. Mais vous commencez à le déstabiliser, Ngambila, avec UDPS. Non. Hein, en brûlant la... Dans le gouvernement, Ngambila, nous avons... En brûlant les choses qu'il fait à Kinshasa. Nous avons trois ministres dans le gouvernement, Ngambila. Alors pourquoi vous les déstabilisez? Oui, UDPS. C'est vous, les FCC, qui n'aimez pas Ngambila. Qui ne sait pas? Je ne suis pas UDPS, monsieur. Oh, vous êtes FCC. Non, mais c'est vous qui m'attribuez ça. Bonne journée à vous, député de l'UDPS au niveau de la ville de Kinshasa. Avocat et cadre, notamment conseiller du président de la République. À très bientôt. Merci à vous. Dans quelques instants, le journal et puis la rediffusion de cette émission, les réseaux sociaux. Je sais que vous allez couper des extraits, etc. C'est ainsi sur Télé 50, numéro 1. À très bientôt.